La disparition du général Diarra est un coup dur pour toute la communauté du Konya, pour toute la communauté de Massanta et pour toutes les communautés guinéennes. Avec courage et détermination, le général Diarra a servi la nation guinéenne avec la plus grande attention. Après plus de 40 ans de service, le destin a voulu qu'il rende l'âme maintenant à plus de 75 ans. Nos rapports personnels étaient des rapports de famille, parce que le général Diarra fait partie de ceux-là qui sont membres du canton de Kouadou. Le Kouadou, dont la capitale est Daro, est au centre des activités des sept femmes grandes familles Mania de Massanta. Donc, à ce titre, chaque semaine, chaque week-end, j'étais chez lui, à la Kamayenne, pour pouvoir le saluer, échanger avec lui. Et ensuite, nous étions dans l'Ordre national du mérite. On a été dernièrement célébré le même jour par le général Mamadou Doumbouya qui nous a tous élevés au rang de commandeur de l'Ordre national du mérite. Général Diarra donc nous quitte avec beaucoup, en nous laissant beaucoup de tristesse, parce qu'il était un conseiller et il nous conseillait utilement pour le renforcement de l'Ordre national du mérite. Donc nous prions pour le repos de sa âme et que la terre de Guinée, qui l'a tant servi et aimé, lui soit légère.